Il ne faillit jamais, il ne faillit jamais. Jésus-Christ ne faillit jamais. Tous les jours de ma vie, je veux le remercier. Jésus-Christ ne faillit jamais. Il ne faillit, il ne faillit jamais. Il ne faillit jamais. Jésus-Christ ne faillit jamais. Tous les jours de ma vie, je veux le glorifier. Jésus-Christ ne faillit jamais. Oh, il ne faillit, il ne faillit. Je veux le magnifier. Jésus-Christ ne faillit jamais. Oh, il ne faillit, il ne faillit jamais. Il ne faillit jamais. Jésus-Christ ne faillit jamais. Tous les jours de ma vie, je veux le magnifier. Chapitre 91-91 dans la Bible, nous lisons la parole de Dieu. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel, tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic. Tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasirai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Amen. Il n'y a point de Dieu comme toi, il n'y a point, il n'y a point de Dieu comme toi, il n'y a point, il n'y a point de Dieu comme toi, Jésus.
Ta propriété, mon Seigneur. C'est pourquoi nous nous inclinons encore ce soir devant ton trône de grâce pour te dire tu es notre maître. Domine encore sur nous, notre Dieu. Par l'autorité, comme tu le veux, mon bien-aimé Seigneur, nous serons toujours soumis, Seigneur. Dis simplement et mot, nous agirons comme tu le veux. Seigneur, que ton nom soit exalté pour ce que tu es pour nous encore aujourd'hui, pour ce que tu seras encore, bien-aimé Père Saint-Dieu. Nous chantons les chants des Sion de tout notre cœur parce que nous savons qui tu es, mon Sauveur. Oh Dieu, même si le monde ne te connaît pas, mon bien-aimé Père, oh Dieu, mais nous nous te connaissons, Seigneur. Ta main est tellement si puissante. Elle est glorieuse, mon roi. Nous pouvons contempler la magnifique de ta... Seigneur, tu es vraiment parfait. Merci réellement pour ce privilège d'être dans ta maison encore ce soir, notre Dieu, pour avoir chanté réellement aussi les chants de victoire pour ce que toi as été, ce que tu es pour nous encore aujourd'hui, mon bien-aimé Père Dieu. Merci encore d'être éclairé par toi encore au jour le jour, mon bien-aimé Père Saint. Tu es celui qui a porté aussi nos fardeaux, mon bien-aimé Père Dieu. Oh, nous sommes réellement dans la joie, mon bien-aimé Père Tibissant, dans l'allégresse, mon Seigneur, de voir que tu es notre protecteur, mon bien-aimé Père Tibissant. Nous avons vraiment un refuge, mon bien-aimé Seigneur. Quand le monde tangue à gauche et à droite, mon roi, nous avons une ancre solide et sûre, mon bien-aimé Seigneur, c'est toi notre Seigneur. Oh Dieu, tu es notre guide, mon bien-aimé Père Saint. C'est pourquoi nous considérons ce que tu fais comme étant parfait pour nos pères. Nous acceptons ce que toi tu es, mon bien-aimé Père Dieu. Nos yeux sont fixés sur toi. Continue encore davantage, mon roi. Nous voulons simplement laisser conduire par toi, Seigneur. Merci pour les cantiques qui ont été chantés, Père. Merci aussi pour les âmes qui t'ont loué encore ce soir, mon bien-aimé Père Tibissant. Ah, nous sommes heureux de voir réellement, regarder, voir ce que tu as été capable de pouvoir faire, mon Seigneur. Tu le fais, mon bien-aimé Père Tibissant, même si nous ne voyons pas de nos yeux, mais tu le fais, Seigneur. Nous croyons simplement par la foi. Nous avançons par la foi avec toi, mon bien-aimé Seigneur, reconnaissant que tu es vraiment le Dieu. Sois béni encore ce soir, mon bien-aimé Père Tibissant, Dieu, pour le pardon de nos péchés, Seigneur. Merci pour la grâce d'être ce Dieu pendant ce soir, aujourd'hui, avec nos pères. Merci pour ta présence divine, mon bien-aimé Père Tibissant. Car nous t'avons ainsi prié, mon roi, au nom de Seigneur Jésus-Christ. Amen. Oui, que son Saint-Nom soit exalté et glorifié encore ce soir. Nous réalisons combien il est bon. Qu'il soit béni pour ce qu'il fait pour chacun de nous. Vous pouvez vous asseoir. Il est digne d'être aimé de tout notre cœur et de pouvoir vraiment aussi être exalté, peu importe notre état et notre condition. Le Seigneur est celui qui mérite la gloire et l'honneur et aussi tout ce qui est nécessaire. Il vaut mieux donner à Dieu toute la gloire. C'est vrai, mon frère et ma soeur, parfois nous ne réalisons pas, mais nous le remercions parce que c'est lui qui nous instruit et il nous élève à des hauteurs pour que nous comprenions réellement que ce qu'il est vraiment ce qu'il dit. Et c'est cela aussi le privilège que nous avons de pouvoir réellement aussi considérer Dieu à sa juste valeur et à sa façon de pouvoir agir et de faire les choses, parce que nous constatons effectivement que il est vraiment un Dieu qui tient toujours à ce qu'il a dit. L'homme, avec le temps, c'est vrai que les choses changent aussi, sa façon de concevoir et de comprendre les choses aussi change d'une certaine manière. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que Dieu ne change jamais. Ce qui est aussi extraordinaire, c'est que ce qu'il a dit même dans les temps passés, il ne le change pas en fait. Il demeure vraiment toujours pareil. Et cela qui fait de lui effectivement l'autorité suprême. Et aussi, il démontre qu'effectivement, que cette autorité, il est le seul à pouvoir la détenir. Parce que c'est celui qui nous dit ce que nous pouvons faire. Parce que tout est soumis à lui. Nous sommes soumis à lui. Le monde est soumis à lui. Donc tout ce qui est dans les cieux, sur la terre, est soumis exactement aussi à lui. Nous sommes touchés de pouvoir réellement voir que c'est Dieu qui existe par lui-même. C'est comme ça que
on appelle effectivement Elohim, c'est-à-dire l'être qui existe par lui-même. Et parce que pour qu'il soit appelé Dieu, il fallait qu'il puisse manifester effectivement aussi la création. Donc il a créé, alors maintenant on l'appelle Dieu parce qu'il est devenu un être qu'on doit adorer. Donc nous l'adorons parce qu'il a fait de nous ses créatures, effectivement, il a manifesté effectivement qu'il avait la puissance d'amener à l'existence les choses. Mais c'est quand même extraordinaire, frères et sœurs. Quand nous pouvons observer l'homme tel que nous sommes, nous nous regardons effectivement, alors vraiment s'il y a quelque chose qui soit parfait, c'est l'homme aussi. Amen. Et oui, l'être humain est parfait. Il n'y a absolument rien qu'on peut retrancher de l'homme, ni qu'on peut ajouter de l'homme, en fait. Et c'est pour que nous comprenons que c'est lui qui a créé l'homme, il est vraiment plus intelligent et plus sage. Parce qu'il a pensé dans tout le moindre détail. Dans les choses qu'il faut, vous savez, quand on fabrique des voitures, regardez, tu vois, c'est des voitures de 1930. Vous voyez effectivement comment elles sont. Et puis, en 1940, et puis en 1977, 70, 80, vous voyez, les voitures, les carrosseries, et jusqu'à aujourd'hui, en fait, on améliore tout le temps. Mais Dieu n'a jamais amélioré l'homme. Depuis que l'homme a été créé, il n'y a rien que Dieu a dit, je vais améliorer ou faire de meilleur. Non, l'homme est toujours resté l'homme. Que les années passent, c'est toujours l'homme. C'est vrai, frère et sœur. Nous remercions Dieu de sa façon de pouvoir. Il nous démontre aussi qu'effectivement, que quand il dit quelque chose ou il fait quelque chose, il ne peut jamais y avoir d'erreur. C'est qu'il sait, effectivement. Et s'il t'a appelé, c'est qu'il n'a pas fait d'erreur en t'appelant toi. Nous remarquons qu'effectivement, que souvent, nous ne réalisons pas en réalité le bienfait de ce Dieu à notre endroit. Vous savez, il y a notre sœur Rebecca qui m'a appelé aujourd'hui, et puis bon, il m'a parlé, puis il m'a envoyé un message. Elle m'a dit quelque chose qui m'a touché. J'ai dit que Dieu puisse accorder la... Elle m'a dit une chose qui a touché le cœur, évidemment, comme elle exprimait la chose. Elle dit, dimanche, nous avons écouté la parole de Dieu, et puis elle m'a dit, mais je me suis posé la question de pouvoir savoir combien y a-t-il de frères ou parmi nous, effectivement, qui avons réellement compris et saisi ce que nous avons entendu. Parce que, elle me dit, mais parce que quand je suis sorti, je pouvais peut-être m'y attendre à ce qu'on puisse être là avec des frères en parlant de ce que Dieu venait de pouvoir nous montrer et nous parler. C'est ce qu'elle disait tout à l'heure. Elle dit, je me suis posé la question de pouvoir savoir, est-ce qu'il y a eu quand même des frères et sœurs? C'est vrai qu'on est resté longtemps, mais est-ce qu'il y a eu des frères et sœurs qui ont réellement eu à pouvoir comprendre et saisir effectivement ce que le Seigneur a voulu que nous puissions saisir. C'est vrai que quand elle m'a parlé comme ça, elle a parlé comme ça, vite, et puis je me suis posé la question, j'ai dit, c'est vrai, qu'en est-il en fait? Parce que si nous remarquons très bien, frères et sœurs, ce que nous entendons, c'est que le Seigneur nous amène vraiment dans les hauteurs. Et ça, je sais parfaitement très bien que ce n'est pas facile pour que le commun des hommes tels que nous sommes, nous puissions arriver à pouvoir les saisir. C'est pour ça que vous remarquez très bien qu'il est parlé de la révélation dans l'Apocalypse. Plusieurs personnes ont saisi les livres d'Apocalypse, effectivement, ils l'ont lu, ils ont parlé, effectivement, mais jamais ils sont arrivés à pouvoir comprendre. Peu importe ce qu'on pouvait leur donner comme explication, c'est difficile. Or, si vous comprenez très bien, la Bible nous fait savoir que c'est... Juste lire, effectivement, ce que nous avons eu à pouvoir. Juste simplement une écriture pour que nous puissions voir. Regardez bien, chapitre 1 d'Apocalypse. Il dit une chose qui est toujours frappante ici, il dit... Révélation de Jésus-Christ. Donc c'est révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean. Donc il dit bien que, il dit que pour montrer à ses serviteurs. Donc nous devons comprendre qu'effectivement que ce ne sont pas des choses qui sont données à tout le monde. C'est pour ça que, et quand bien même on peut s'asseoir, et que même la parole de Dieu nous soit ouverte, il est une chose qu'on doit se poser la question, est-ce que j'ai vraiment saisi la chose? Ah oui, mon frère et ma soeur, c'est important parce que si tu n'as pas saisi la chose, effectivement, c'est que tu es étranger au programme de Dieu. Parce que si Dieu déploie son programme pour que nous... Frères et sœurs, nous réalisons quelque chose de très important dans la parole de Dieu. C'est que, c'est si que, moi, ça m'a beaucoup frappé aussi.
J'ai dit, Seigneur Jésus, de tout le temps qui s'est passé, quand vous regardez effectivement, depuis que la parole a été, l'effusion du Saint-Esprit, effectivement, comment les choses sont passées avec les actes, effectivement, comment ils ont mis en application, c'est les actes en fait, dans la mise en application, effectivement, de la parole qu'ils ont reçue du Maître lui-même. Ah ben oui, parce qu'il dit, mais baptiser, frère, dire, enseigner, comme ce que je veux dire, mais baptiser, effectivement, ils ont baptisé les âmes. Fraction de pain, parce que fraction de pain, effectivement, comme on prend effectivement aussi la Sainte Seine, mais c'est le Seigneur qui a eu à pouvoir leur montrer, il dit, faites ceci en mémoire de moi. Quand l'apôtre Paul est entré en scène, il dit, mais j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est-à-dire que c'est le Seigneur. Et on voyait comment il mettait donc en pratique ce que... Ça, c'est le modèle parfait. Nous avons vu comment le Saint-Esprit pouvait agir, effectivement. Et puis, nous sommes entrés maintenant dans les phases des âges, comme on a fait part, effectivement, l'âge de fête. Vous avez remarqué, effectivement, aussi, combien, pendant toute cette période-là, des frères et des sœurs se sont donnés à la parole de Dieu. Et combien ils ont été passés par des situations tellement difficiles, et flagellées, et même sciées, et l'âge des ténèbres, effectivement, donc tout ça vous avez entendu, effectivement. Donc tous ces gens-là, qui sont morts ici, vous mangez bien les frites, vous dormez très bien dans vos maisons. Non, c'est pas pour vous faire rire, mais c'est vrai, frère. Vous mangez très bien aujourd'hui les poulets, vous pouvez mâcher à 1 euro, donc vous avez tout. Mais nos frères qui nous ont précédés, c'est pour ça que j'ai dit, je ne sais pas si vous observez effectivement les choses de la bonne manière et que vous comprenez et que vous réalisez effectivement le privilège que Dieu nous a fait. En fait, nous sommes plus privilégiés que eux. Vous avez aujourd'hui des voitures tout confort et ils marchaient à pied. Sur des chevaux, mon frère, effectivement, pour aller là-bas, pour parler de Dieu, effectivement, pour ceci. Et il parcourait en disant, même notre Seigneur, il a marché à pied. Mais vous, aujourd'hui, vos parents ont des voitures avec 500 portières, des ceintures, des coussins moelleux, vous asseyez dessus. Mais c'était pas comme ça. Pour cet évangile ici, les gens ont souffert. Toi, quel confort tu as. Regardez, tu as sur des fauteuils, on a même les tissus, on t'échauffe bien, et tu murmures, frère. Vous savez, qu'est-ce qui vous manque, frères et sœurs? Moi, les tranchons, des maisons bien confortables. Et ils n'avaient pas de maison comme le vôtre. Hein? Vous avez besoin du poulet, tomates, il fallait attendre des saisons. Mais vous, n'importe quel moment, tomates, on doit manger. C'est la période de l'abondance. En fait, on a tout ce qu'on a besoin. On peut les trouver sur le marché. Et vous vous plaignez encore, mon frère. Et vous vous plaignez encore, ma sœur. Ces frères qui nous ont précédés et soupiraient après des temps où on pouvait s'asseoir avec eux pour pouvoir parler de la parole de Dieu. De ce qu'effectivement qu'ils entendent parce qu'ils savaient une chose qui est, si c'est un homme envoyé de Dieu comme Paul, comme Pierre, tout ça, dit, mais c'est que le Seigneur va leur parler. Ils avaient conscience effectivement de cette grâce. C'était en fait un moment où l'Esprit du Seigneur, les gens avaient besoin de cela, d'entendre, de pouvoir également aussi prendre part à ces choses effectivement très importantes. Effectivement. Ils ne gagnaient même pas autant. Effectivement. Non. C'était des gens qui disaient, mais parce que pourquoi? Ils avaient conscience d'une chose. Que le Seigneur, lui, il revient bientôt. Nous nous sommes habitués, hein. Bien compagnie, Seigneur, frère, nous croyons. En tout cas, la vérité, c'est que nous ne croyons pas vraiment que le Seigneur revient bientôt. Nous sommes entrés dans ces habitudes, voir comment il revient bientôt. Oui, revient bientôt. Mais en fait, non, parce que, vous savez pour quelle raison aussi, frères et sœurs? Parce que la séduction a atteint aussi son apologie maintenant. Les diables, vous savez, avec tout ce que nous voyons, effectivement, et comment les choses montent, effectivement. Mais lui aussi, il monte, effectivement, aussi. Quelle distraction n'avons pas aussi aujourd'hui, effectivement, nous l'avons parlé, effectivement. Il distrait, à l'époque, effectivement, il n'avait pas de GSM. Il n'avait pas de Facebook. Il n'avait pas de WhatsApp. Il n'avait pas tout, qu'est-ce que vous avez là, tous ces vêtements, tous les Bataclans que vous avez, effectivement, il n'avait pas. Ces gens étaient consacrés au Seigneur, c'est vrai. Dans cette époque ici, effectivement, mais c'est l'époque la plus terrible. On vous a tout donné. Vous savez pourquoi vous avez tout ça? J'ai béni Dieu, frères et sœurs, parce que, vous savez, il y a un homme de Dieu sage. Sage. C'est Salomon. Il a dit au Seigneur, il dit, Seigneur, mon Dieu, ne me donne pas beaucoup. Amen. Ne me donne pas beaucoup de peur. Je ne t'oublie.
Ne me prive pas non plus de peur que je puisse maudire Dieu. Donne-moi le juste. Qui peut dire cela aujourd'hui? Qui peut dire cela aujourd'hui, mon frère, ma soeur? Pourquoi? Parce que ces hommes, ils avaient quelque chose de très important. Parce que quand j'ai trop, alors à ce moment-là, mes parents, ils sont partis. Merci. Et c'est vrai, c'est la vérité. Satan est, et oui, monsieur. Toujours pris, effectivement, parce que on n'a pas le temps de pouvoir chercher la face de Dieu. Ah, nous pouvons regarder dans les saintes écritures comme nous l'avons vu. Je me pose la question, si vous avez vraiment saisi. Avoir ce privilège de réaliser que nous ici, sans nous, il n'y a pas la perfection. C'est pas... En fait, c'est là qu'on réalise en se regardant, dit Seigneur Jésus. Si hier je t'ai chanté avec des envoltures, c'est-à-dire que bon, comme ça, mais aujourd'hui. Mon frère et ma soeur, nous arrivons à pouvoir réaliser une chose avec la grâce que Dieu nous accorde, que nous y s'ouvre, que en réalité c'est vrai, Dieu du ciel et de la terre, en fait, les choses dont on pouvait lire, que ça va se passer, nous voyons aujourd'hui que ça devient possible. Que ces choses maintenant, quand on a vu ça, mais elles sont devenues pour nous palpables et comment encore accessibles. C'est la vérité. Parce que pourquoi tu es assis là? Pourquoi tu es assis dans cet endroit? Pourquoi tu te bats tous les mardis, les jeudis et dimanches? Frères et sœurs, posez-vous la question. C'est pour que ces choses dont on lit dans les Saintes Écritures, vous puissiez aussi dire, mais Seigneur, et ceci est possible pour moi maintenant. Oui, c'est ça la foi. Elle doit atteindre ce niveau-là. Vous dites, mais oh mon Dieu, et c'est vrai qu'on lisait, on lisait, on lisait, mais maintenant, je réalise que nous sommes quand même entrés dans quelque chose. Comme Job pouvait le dire, mais mon oreille avait entendu parler de toi. C'est pour ça que j'ai parlé des choses, vous savez, qui me dépassent sans comprendre. Que Dieu te bénisse. Mais maintenant, maintenant, ici, là, mon œil a vu ces choses. Vous savez, frères et sœurs, c'est ce qui est merveilleux, ce que... Non, Dieu me dit... Il dit, mais tous nos bien-aimés, frères et sœurs, qui étaient tellement... Ces gens-là qui avaient la foi, la Bible nous fait d'abord, mais ils ont vu ces choses de loin. Ils les ont salués. Il savait que, oui, monsieur. Oui, c'était palpable. Il dit, mais peu importe, même si je dois encore plus, c'est pas un problème. Il dit, j'essaie une chose, que ces choses-là, même si maintenant je ne tue pas, mais j'essaie, ces choses-là sont pour moi. Parce que Dieu les a amenés à un niveau tel qu'ils pouvaient avoir cette foi et croire. Nous avons lu avec nous. Ils ont vu, ils ont salué des gens. Des choses qui leur avait été promise. Vous savez, c'est là, je te mime la foi. Vous savez, souvent, les gens, vous entendez les gens dire, oh, comme cela a été souvent dit aussi, effectivement, ah, les tonneurs nous donneront la foi de l'enlèvement. C'est souvent ça qu'on entend, effectivement. Parce que il faut que nous puissions avoir ce qu'on appelle la foi de l'enlèvement. Vous avez entendu? Beaucoup. Et puis ils ont ajouté que les tonnerres vont nous donner la foi de l'enlèvement. La question de pouvoir savoir, c'est poser d'abord la question pour savoir, qu'est-ce que c'est que la foi de l'enlèvement? C'est quoi pour nous la foi de l'enlèvement? Et puis quand on nous dit que ce sont les tonnerres qui vont nous donner, donc la foi de l'enlèvement, ça dit dans l'Apocalypse chapitre 10, donc les tonnerres vont nous donner la foi de l'enlèvement. Et tout le monde croit cela, évidemment. Je sais qu'il y en a parmi nous quelques-uns qui ne saisissent pas encore très bien ce que c'est, mais bon, par exemple, c'est peut-être... Posez-vous toujours la question. D'abord, qu'est-ce que c'est que la foi? Ça, c'est une question qu'on doit se poser. Nous savons que la foi, dans Hébreux chapitre 11,
est une ferme assurance, une chose qu'on espère. C'est une démonstration, nous démontrons les choses effectivement. Donc, c'est-à-dire que, regardez, c'est quelque chose qui, d'une certaine manière, qui pour nous, en fait, la foi, votre attention, la foi nous introduit dans la réalité de l'invisible. Avec la foi, l'invisible devient bien sûr. L'impalpable devient. Parce que des hommes comme Gédéon, des hommes comme effectivement aussi Samson, des hommes comme effectivement Moïse, comme Josué. Frère, j'ai toujours eu à pouvoir dire, Seigneur, si on prend un scientifique aujourd'hui, il va vous dire, c'est pas possible. Chose pareille ne peut pas se faire. Pourquoi? Parce que le soleil est dans des milliards, des milliards de kilomètres de la Terre ici jusque là-bas. Déjà, toi et moi qui sommes ici, vous savez, nous sommes ici, juste à l'ost ici. Si tu cries, est-ce qu'à l'ost on va t'entendre? Bon, maintenant, prenez la distance de la Terre jusqu'au soleil. Des kilomètres, donc déjà, moi, un homme, quand je pense, je dis, mais si je le fais, c'est pas possible. Mais un bonhomme qui était là, sur la terre, effectivement, dans une contrée lointaine, il se met debout, il regarde le soleil, il ordonne au soleil, il dit, soleil, frère et soeur, Jésus était un homme comme vous et moi, qu'est-ce qu'il avait de plus? Mais la foi, monsieur. La foi rendait la chose possible. Là, maintenant, il me dit, mais ça, c'est possible. C'est pas possible dans l'imagination. Non. C'était possible dans la réelle. Et c'est si réel. C'est cela qui met les choses en action. Soleil, arrête-toi. Donc il ordonne au soleil. Et le soleil a obéi. Il s'est vraiment arrêté dans sa course. Donc nous comprenons que c'est quelque chose qui est important pour que tu entres dans des choses qui sont spirituelles et surnaturelles. C'est pour ça qu'on nous dit que sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Ce que vous avez comme foi, ce n'est pas vraiment la foi que Dieu demande. Parce que la foi qui vient de Dieu amène aussi ce qu'on appelle la transformation avec. Bien sûr que oui. Regardez ce qu'il dit, parce que vous vous dites, mais qu'est-ce que ça veut dire, frère? Mais c'est dans la Bible. À ceux qui l'ont, à ceux qui croient en son nom, qu'est-ce qu'il a fait? Il leur a donné le pouvoir. Transformation, non? De devenir. Voilà. Comme ça, c'est une puissance. Il me dit, mais qu'est-ce qui triomphe de ce monde ici, effectivement? C'est toujours. Mon frère et ma soeur, pour que toi, tu sors du tombeau. Vous prenez tout la légère, vous vous moquez, vous le regretterez. Parce que toi, quand tu meurs, ton corps est parti, fini. C'est-à-dire, c'est dans le tombeau, il n'y a plus rien. Tu vas, ce corps ne réfléchit plus. Mais comment tu peux sortir de là? Vous savez ce que la Bible dit? Votre attention, vous qui êtes là-bas. Pour que vous puissiez comprendre, effectivement. Tous ces gens qui sont morts là, dans l'Ancien Testament. Qu'est-ce que la Bible dit, effectivement? Vous lire avec vous, hein? Pour que vous puissiez comprendre de quelle manière aussi nous pouvons les trouver avec vous. Hein. Et nous l'avons probablement lu, je pense. Pardon, je suis dans l'Apocalypse, c'est dans les Hébreux, je pense. Ah oui. Ah, je sais là, oui. Ça. Oh. Ah, ok.
Merci. 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 Hébreux au chapitre 11. Hébreux au chapitre 11. Il dit, ici, au verset 11, il dit, chapitre 11, verset 11, il dit, c'est par la foi que Sarah, elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité. Vous comprenez donc? La foi apporte la transformation, le changement. Est-ce que vous comprenez? Donc, elle a une action, en fait, la foi. Donc, quand on a cette foi, eh ben, l'action doit suivre, effectivement. Et puis, il dit, on continue, effectivement, que malgré son âge avancé, fut donc rendu capable d'avoir une postérité. Parce que, gloire à Dieu, elle crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. C'est comme ça, je vous aussi. Donc, elle a cru que c'est Dieu ici. Il est fidèle à sa parole. Il est capable. Et bien, c'était aussi la même chose qu'Abraham. Espérant contre toute espérance. Il y a une pleine conviction que ce que c'est Dieu promet, il est capable de pouvoir aussi l'accomplir. Donc, si il fait une promesse, c'est sûr et certain que ça ne peut pas passer. Et c'est là que la foi s'agrippe. Maintenant, écoutez très bien. On continue, il dit, verset 12, il dit, « C'est pourquoi d'un seul homme, déjà usé de corps. » Vous entendez comme ça la Bible dit? Complètement usé, parce qu'on dit, « Il est vieux, aura-t-il, c'est comme ça qu'on voit, il est vieux, aura-t-il encore la force ?» Vous comprenez ce que je veux dire? Mais il dit, la Bible dit même ici, « Usé !» Un homme usé, c'est-à-dire que c'est un, scientifiquement parlant, c'est aussi impossible. Il est usé, donc comme il est usé, il n'y a plus rien. Il ne sera même pas capable, il n'y a plus rien. Mais voilà comment Dieu fait ici. Il dit, mais c'est pourquoi d'un seul homme déjà usé de corps, naquit une postérité nombreuse. Comme quoi? Comme les étoiles du ciel. C'est ce qu'il avait dit le Seigneur Abraham, alors qu'il venait de sortir effectivement des champs, vous vous souvenez? Il dit, mais voilà, je m'en vais sans postérité, hérité de moi, c'est et puis il dit, non, Abraham, écoute, Dieu est toujours merveilleusement bon. Lève les yeux vers le ciel. C'est pour ça, toi, frère, quand on t'appelle frère, il faut savoir pourquoi tu es devenu frère. Quand on te dit sœur, tu dois savoir pourquoi tu es devenu sœur. Qu'est-ce qui fait de toi que tu sois un frère ou une sœur? C'est quand tu peux comprendre ces choses maintenant que tu peux maintenant savoir quelle position tu peux arriver à pouvoir avoir. Vous savez, dans les scènes d'Écriture, quand ceux qui étaient donc à sa droite, ils lui ont posé la question. Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim et t'avons-nous donné à manger? Quand avons-nous vu sans vêtements et t'avons-nous donné des vêtements? Quand avons-nous vu ceci et cela, effectivement, avons-nous fait cela? Il répondit, mais à chaque fois que vous l'avez fait à l'un des plus petits de mes frères, c'est donc à moi que vous l'avez fait. En fait, ce qui est toujours surprenant dans cela, c'est que ces personnes-là, ils ont fait cela, ils ont complètement oublié. Ils ne se sont même pas, ils ne se souvenaient même pas de quel moment j'avais reçu mon frère Christian à la maison, que j'ai fait mon poulet que je lui ai donné, ou que je lui avais donné un costume ou quelque chose comme ça. En fait, tout cela n'était même plus dans leur pensée. C'est là le point qu'on doit comprendre. Pour quelle raison on ressort là-dedans? Mais c'est parce qu'ils ont fait sans attendre que un frère Jonas vienne toujours dire, ah merci mon frère, parce que les pantalons que tu m'as donnés, il me va très bien, frère, merci beaucoup. On dit, ah gloire à Dieu, il m'a dit merci. Parce que si frère Jonas ne te dit pas merci, il dit, mais frère Jonas, ça va frère Jonas? Parce que tu attends qu'il te dise, oh merci pour le pantalon, c'est qu'il y a un souci quelque part. J'ai donné. J'attends pas qu'ils viennent me sonner. Oh frère, mon frère, alléluia, ton pantalon, il est bon, et ceci et cela. Non, si ils sont dans son cœur, les désirs, parce que je ne lui ai pas donné pour qu'il vienne me dire merci.
Non, c'est important. Dans notre société ici, c'est comme ça qu'on dit, mais je te donne, tu dois quand même me dire merci aussi. Quand même. Puis tu ne l'as pas oublié, je t'ai donné aujourd'hui, l'autre jour qui va venir aussi. C'est... J'ai payé les restaurants pour toi. Et puis tu dois comprendre que tu me... Je t'explique. Je t'ai invité aujourd'hui, j'ai payé. Toi aussi, n'oublie pas. Il faut m'inviter aussi. Vous priez pour moi aussi. C'est dans nos coutumes. Dans nos mœurs. Vous savez, moi, quand j'ai entendu pour la première fois que nous, il dit, oh, je vous invite au restaurant, venez au restaurant. Vous savez, nous, alors, il dit, oh, Jean Gabin m'invite au restaurant. Il dit, je vais bien manger tout ce que je veux, là, il n'y a pas de problème, ok. Bon, je n'avais rien, vous n'avez rien dans votre bouche, parce que c'est chez lui qui dit, viens, on va aller prendre un verre, on va manger ensemble, je vous invite pour aller prendre un verre, et puis manger, on va manger un petit morceau. Je dis, oh, j'avais faim, je n'avais absolument rien dans mon ventre. Et puis, je n'avais pas d'argent. Alors là, j'ai commencé à être heureux. Je dis, il est bon, ce Jean Gabin. Mais vous arrivez. Passez commande. Oui, il te dit, les yeux, c'est comme ça. Jean Gabin va payer. Tu passes la plus grosse partie de la viande que tu aimes là. Eh bien, ça vient, on te sert avec tout ce genre, avec tes regards. Et puis, paf, boum, tout le monde mange, effectivement. Jean Gabin dit, OK. On vient avec la facture. Il dit, OK, bon, moi, je paye pour mon assiette. En fait. Attends. Tu deviens sans mots. Et ce que j'ai mangé, il dit, c'est pas moi qui ai mangé, c'est toi qui as mangé. Donc j'ai dit, je vous invite, mais c'est pour qu'on participe tous. J'ai dit, alors faut pas dire je vous invite. Hein? Faut pas dire je vous invite. Vous savez, on a ces habitudes-là. Je vous invite. Non, ne dis pas je vous invite. Parce que tu dis ça, je vous invite, moi, avec ma façon de voir. Je sais que je suis invité. Je vais manger comme je veux. Je bois comme je veux. La facture vient. C'est pour Jean Gabin. Et vous comprenez, c'est ça. Mais bref, nous comprenons que, effectivement, que là, nous revenons à l'écriture vide pour partir à la maison. Et là, on nous dit, c'est pourquoi d'un seul homme déjà usé de corps naquit une postérité nombreuse comme les étoiles du ciel, comme les sables qui est sur le bord de la mer. Nous disions que quand Abraham a dit au Seigneur, je m'en vais sans enfant, il dit, mais viens Abraham, lève les yeux vers le ciel, compte les étoiles. Humainement parlant, moi ici, si on me dit ça, on me dit compter les étoiles, je vais me regarder, je dis, oh, Seigneur, les étoiles quand même. Et puis, je ne suis qu'un seul homme. Quand je regarde les étoiles, ils sont très nombreux. Et puis, qu'est-ce qui va se passer? Le doute, à cause de la réflexion. Mais c'est vrai. Tu regardes quand même, je regarde les étoiles, je me dis, compte les étoiles, je peux compter, mais ce sont des milliers. Et puis si je reviens à moi-même, j'ai dit, mais frère Seigneur, quand même un seul homme, même si je dois, bon, enfin bref, je peux vivre, même si c'est 100 ans ou 120 ans, quelque chose comme ça. Mais moi-même, je ne peux pas avoir milliers. Vous comprenez les raisonnements. Mais ce qui est extraordinaire avec Abraham, il a regardé, même dans son fond fort intérieur, subconscient, il a cru que cela, Dieu lui a donné. Il n'a pas douté, en fait. Cet homme a regardé, dit, mais gloire à Dieu, dit donc, il savait très bien. Gloire à Dieu. Non, en tout cas, Dieu nous fait passer par des moments tellement impossibles, naturellement, pour que nous ne puissions pas nous habituer avec les naturels, mais que nous habituions avec les surnaturels, pour que l'impossible soit rendu possible. Pour nous, c'est vrai, frère. C'est la vérité. Sa femme était stérile. Pas d'hier, mais depuis sa naissance. Vous avez entendu, frère, c'est pourquoi d'un seul homme? Comment ça pourrait être possible qu'avec une femme que j'ai stérile, que je puisse avoir... C'est comme, je dis, quand... Juste en parenthèse, ne vous fâchez pas, je surveillerai en parenthèse, parlant de... Stérile. Abraham, quand Dieu lui a parlé de cela, il n'a pas directement visé, tourné les yeux vers la stérilité de Sarah. Il a rendu continu. Dieu ici, puisqu'il me l'a montré, il est capable. La foi vous change. La foi vous donne une autre
façon de voir, des lunettes tout à fait spéciales. Parce que quand vous ne l'avez pas, vous savez, vous ne voyez pas tellement très bien. Mais maintenant que vous mettez des lunettes, je dis, mais là-bas, c'est mon frère Rosario. Mais avant, je devais faire comme ça. Parce que pourquoi? Parce qu'on voit un peu flou. Mais quand tu mets les lunettes, il dit, alléluia. Frère Rosario, que Dieu te bénisse. Il dit, oh, la vie, il dit, même de loin, il voit bien. C'est ça, les yeux de la foi. Donc, effectivement, que quand c'est naturel, tu vois qu'il y a un mur où tu ne vois rien. Mais la foi voit au-delà, monsieur. Une démonstration. Parce qu'en fait, pour toi, tu as vu, tu l'as touché, la chose. Vous comprenez? Ce n'est pas une phrase. Non, Dieu nous explique ce que c'est, en fait. C'est que là, je regarde, je vois. Les gens voient, ils me disent, oh, comment est-ce que les autres ne voient pas tellement, ils regardent, ils me disent, oh, mais on ne voit rien. Ils me disent, non, que Dieu te bénisse, mon frère Rosario. Mais comment ils vont voir, ils me disent, mais parce qu'il a mis les lunettes. Et alors, avec les lunettes, ils voient très bien là-bas, au fond. Ils voient bien la personne. Ils disent, gloire à Dieu. Donc, c'est comme ça qu'Abraham, comme l'Écriture le fait savoir, il dit, quand Dieu lui a dit, compte des étoiles, il n'a pas eu à pouvoir laisser, en fait, vous savez, ses yeux flous qui montent. Il a laissé les yeux flous, il a mis les lunettes. Ce qu'il a mis, c'était les yeux de la foi, en fait. Ah oui. Parce que, quand vous avez les yeux naturels, les choses que vous voyez qui sont problématiques sont impossibles. Mais quand vous avez les yeux de la foi, parce que, expliquez-moi, frère et sœur, comment un homme qui a vécu dans le palais royal puisse regarder les gens qui travaillent dans la boue, dans la saleté? Non, frère, je ne pense pas que quelqu'un parmi nous peut le faire. Il faut qu'il y ait quelque chose d'autre qui remplace la vue de l'homme. Vous savez ce que la Bible dit? Dans le livre des Hébreux, hein, juste regardez cela, je pense qu'il en parle ici. Ah, chapitre toujours 11, verset 24. Ah. Regardez très bien. Verset 24, il dit, c'est donc par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Il préféra être maltraité avec le peuple de Dieu, plutôt, c'est comme ça chez vous aussi, non? Plutôt que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Il regarda l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte. L'opprobre. Vous savez ce que c'est l'opprobre, non? C'est le mépris que vous avez quand, oh, vous savez, quand vous étiez encore dans le monde, vous mettez vos petites jupes là, on voyait encore, et puis comme ça, vous coiffez certains mal, comme Marilyn Monroe, et vous avez des... C'est ça, en fait, parce que les critiques qui viennent, oh, mais vous vous habillez bien, vos jupes étaient bien, maintenant vous mettez les sacs, avant on pouvait voir, vous comprenez ça? Donc tout ça, pourquoi? Pour pouvoir vous décourager, vous faire comprendre, mais ah, vous savez, quand vous étiez comme ça, vous étiez, comment on vous appelle, vous étiez croquette. Je sais pas si c'est croquette ou croquette. Non, mais c'est ce qu'on dit. Oh, à ce moment-là, tu te dis, qu'est-ce qui se passe? Si, quand on dit comme ça, par exemple, à une sœur, oh, tu étais croquette, qu'est-ce qui se passe? Et puis, regarde, il va chercher les albums. Les vieilles photos, là. Qu'est-ce qu'il y a? J'étais croquette, mais les problèmes des croquettes sont déjà passés. Le diable, il est rusé, mon frère. Il va t'amener dans cela, et puis tu commences à dormir mal, tu commences à chercher toutes les pharmacies ou les magasins de produits de beauté. Oui, parce que c'est pourquoi n'achetez pas n'importe quoi. Vous allez abîmer votre peau pour y en a ceux qui se cochent, qui se mettent les gens sur Internet, ils vont vous faire mettre n'importe quoi. Il nous a même fait, vous savez, on croit tout ce qu'il y a sur Internet. Il y a une fille qui sort là, oh, si vous souffrez de ceci, alors buvez votre... et vous serez guéri. Et comment il s'appelle? Jambulandambo. Alors, j'ai dit, mais tu n'as pas été... On n'a pas entendu même mot docteur Jambulandambo. Non.
Et tout le monde, ah, il a 6 000 followers. 1 000 followers pour les boîtes, les yeux. Et les gens le font, mon frère. Parce qu'il a dit, et puis bon, ben, tout ça. Mais c'est ça, en fait, on vous trompe beaucoup, hein. Vous allez manger des choses qu'il ne faut pas manger, vous allez boire des choses qu'il ne faut pas boire, effectivement. Et puis on vous va avec des visages qui commencent à pouvoir gonfler. Qu'est-ce qu'il y a, sœur? Oh, j'avais essayé un produit. Tu l'as eu, où c'est ce produit? C'est Jamboulan Jamb. Mais frère, mais c'est vrai, frère. Enfin bon, bref, nous continuons ici. Et il dit, il regarda l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte. Car il avait les yeux fixés sur la rémunération. Vous comprenez, frère? Nous continuons. C'est par la foi qu'il quitta l'Égypte, sans être effrayé de la colère du roi, car il se montra ferme, comme voyant quoi? Voilà. Donc, il avait d'autres yeux, monsieur. Il voyait l'invisible, monsieur. Quand il le voyait. C'est ce que Dieu attend de toi et de moi. Mais maintenant, de tous ceux qui sont morts, là, nous allons parler, effectivement. Nous disons, maintenant, regardez bien, au chapitre 11, où nous étions, nous disons, nous avons lu verset 12, il dit, c'est pourquoi d'un seul homme déjà usé de corps n'a qu'une postérité nombreuse comme les étoiles du ciel. C'est la vérité, non? Comme les sables qui est sur le bord de la mer et qu'on ne peut compter, monsieur. Nous sommes la postérité d'Abraham. Mais bien sûr, monsieur, oui, madame, oui, c'est vrai. Nous sommes la postérité d'Abraham. Amen, amen. Par la foi. Amen. C'est ce qu'on nous a dit. Donc, Abraham a vraiment des vérités. Oui, oui, une postérité, c'est vrai, cela. Israël, maintenant nous continuons, regardez, on n'a pas fini. Il dit, maintenant il dit, c'est pourquoi d'un seul homme, il dit, comment on peut compter. Maintenant, en ce qui concerne ceux qui avaient la foi, écoutez bien, c'est donc dans la foi, qui sont tous morts. Donc, quand ils sont morts là, c'est pour ça qu'on disait tout à l'heure, on dit, mais mon frère, vous savez que c'est votre corps qui va être allongé là-bas. Nous disons ici, au son de la trompette de Dieu, à la voix de l'archange, effectivement, qu'est-ce qui va se passer? Notre Seigneur descendra du ciel. Et qu'est-ce qu'on dit? Les morts! Ah, résisteront premièrement. Bon, maintenant, mon frère et ma soeur, parce que si toi, tu dois ressusciter, il faut qu'il y ait quelque chose en toi. Regardez, vous dites, mes frères et soeurs, on nous dit qu'effectivement ici, que si nous croyons que Jésus est mort, si nous croyons, donc ça dit qu'il faut avoir la foi, et qu'il est ressuscité. Croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus ceux qui sont endormis avec lui. C'est écrit. Donc il faut croire. Donc la foi. Donc ils sont tous morts. Moïse, vous avez effectivement aussi notre ici de Job, il est mort. Avec la foi, tu as la foi. C'est pour ça son corps ne pouvait pas rester. La foi agissait, monsieur. Même si mon corps était. Il dit mes yeux ici, pas du voisin, pas de la voisine. Parce que je ne vais pas à l'assemblée pour les voisins, pour la voisine. Ah non, ah non, ah non. Parce que je sais qu'un jour viendra où mes yeux se fermeront. Le voisin restera, la voisine restera, mais le problème c'est moi. Vous vous souvenez du cri de Job? Ça, c'est quelque chose qui me marque, qui m'a marqué. Il dit que mes paroles soient écrites avec un burin. Il n'a pas dit que mes paroles sont celles du voisin. Non, mes paroles. Et puis, qu'est-ce qu'il a dit? Je sais quoi? Que mon Rédempteur. Ils les ont vus. Ils ont salué des lois. Il a vu debout. Il se tiendra debout ce qu'il avait vu. Mais oui, monsieur, la foi rend les choses possibles et aussi palpables. Maintenant, la question va se poser maintenant, c'est que quelle sorte de foi moi j'ai? Oui, c'est vrai.
je viens à l'église, nous avons la parole de Dieu. La question doit savoir, qu'est-ce que toi tu as comme foi? C'est pour ça que pour que tu comprennes ces choses ici, il faut quelque chose. La foi, elle vient de croire. Ah, c'est écrit hein, dans Romains 10, hein, ce qu'on attend. En attendant, c'est la parole de l'Église. Vous suivez, mon frère, vous suivez ma soeur, vous qui êtes assise là-bas, si moi aussi, c'est important que vous puissiez saisir et comprendre. Parce que on peut avoir une foi simplement de l'Église. Nous y allons parce que nous avons toujours été. On n'a pas la conviction, dit. Parce que je vais parce que Dieu m'a convaincu. Je vais parce que je reçois la parole de Dieu. On n'a pas la conviction. C'est probablement parce que, pardon, parce qu'il s'agit effectivement de ton cousin, de ton frère, de ta mère, je ne sais pas moi qui ça, qui s'agit de là-dedans. Mais il n'y a pas une conviction. Vous savez, frères et sœurs, c'est notre foi qui, vous me suivez? Amen. Enfin, vous devez suivre la parole. Hein? Vous suivez la parole? Amen. Vous savez, frères et sœurs, c'est notre foi qui influence notre postérité. Ah oui, ah oui, ça vous le savez. Mais c'est ça, frère. Notre foi. C'est pourquoi on dit, mais nos pères. Oui, bien sûr. Ou adorer, bien sûr que oui, c'est sûr et certain. Vous vous souvenez de cet enfant que le Seigneur Isaac, il regarde son père, il dit, mais père, voici donc le couteau, voici donc le feu. Que Dieu te bénisse, ma sœur Maria, pour Noémie. Amen. Ah, moi, je ne vais pas chercher à pouvoir citer les noms de Maria aujourd'hui. On peut se poser. C'est pour ça que Dieu avait voulu qu'elle soit là ce soir. Pour qu'elle réalise que tous les efforts qu'elle a toujours fournis, Dieu lui montre le résultat. Noémie. Parfois, on pense qu'on fait des choses en vain, c'est juste là. Non. Quand vous aimez, Dieu voit ce que vous êtes, ce que vous désirez. Voilà qui dit, mais père, voici le feu, voici les couteaux. Il connaît parce qu'il a vu son papa. Comment il aime son Dieu. Alors, où est donc l'agneau pour le sacrifice? Si vous êtes comédien de la foi, vos enfants seront aussi des comédiens. Bien sûr, monsieur, bien sûr. Vos enfants vous observent pour voir le sérieux que vous avez quand la parole est prêchée. Ils sont, vous savez, je suis étonné par ces enfants que vous avez autour de vous. Vous ne vous rendez pas compte. L'autre jour, j'étais chez moi. J'ai reçu une photo. J'étais, oh, comment on voit. C'est notre frère Coucoule. Il dit, je vais te montrer ce que tes petits-fils font ici à la maison. Ils ne savaient pas. Ils ont filmé. Qui est ça, son fils, qui était avec son autre fils, effectivement. Et qui était debout. Il baptisait son frère. Bon, évidemment, pas dans l'eau, mais sur les lits. Heureusement d'ailleurs, sur les lits, parce que dans l'eau, papa allait pleurer. On ne sait pas comment il allait remonter son petit frère. Est-ce que vous comprenez? Parce qu'il dit, comme le pasteur le fait. Il prie. J'ai vu, il avait les yeux fermés, il tenait là. Il a baptisé les petits. Et vous êtes assis en pensant qu'il ne voit pas, il n'écoute pas. Si, ils écoutent. Ils suivent très bien. Ils vous voient, ils écoutent. Ils, même à la maison, ils posent des questions. Ah oui, ah oui, c'est sûr et certain. Vous serez étonné de pouvoir avoir les degrés de compréhension de ces enfants en rapport avec ce. Oui, si je vous rends des témoignages, vous allez se tomber par terre, mais ce n'est pas possible. Et même les grandes personnes arrivent même, mais c'est vrai, ils sont petits. Mais ils écoutent, ils suivent, et puis ils posent des questions. Ce n'est pas seulement sur la marque de la bête,
Mais si c'est ce que vous pouvez entendre, vous allez tomber par terre. Je dis, mais comment ça se fait que toi, un petit bout d'homme, tu peux t'asseoir, écouter, et puis après, formuler des questions pour poser. Et puis avec une bénédiction encore après. Ça fait peur, frère. Ça fait peur. C'est comme si nous avons les jugements parmi nous. Ça fait peur. Ah oui. Parce que il faut qu'il y ait quelque chose en vous. Parce que quand vous allez partir, votre corps reste là. S'il n'y a rien, qui va le revendiquer? Je termine par ceci. Élisée. Cet homme de Dieu, ou un des dieux, effectivement, qui était là, parfois de même méprisé, comme vous savez, dans les Écritures. Mais quand il mourut. Oui. Et oui, c'est ça la foi. C'est ce qui fait de toi un fils de Dieu aujourd'hui. Parce qu'il est impossible que tu sois un fils de Dieu, que tu puisses douter de la parole de Dieu. Ça veut dire que tu ne l'es pas. Vous savez, nous avons eu des tableaux ici. Vous ne pouvez pas dire, Seigneur, nous ne les avions pas vus. Vous les avez vus. Le fils de Dieu, la bonne semence, le fils du malin, livré. Ce qui était dans le fils de Dieu et ce qui était dans l'âme du malin, le fils du malin, vous l'avez vu. C'est lui qui disait aux autres, taisez-vous, je le sais. Et il suivait la parole. Très attentif, et non, la pandémie, dit, ressuscite, ah là là là, non, par ta vie et par mon âme, par ton âme, je ne te quitterai pas. Je ne peux pas quitter la parole, monsieur. Non, monsieur, c'est l'amour, c'est l'obéissance, c'est la joie, c'est dans les bons comme le mauvais jour, c'est ma consolation. Oui, c'est vrai. Quand j'ai des cafards, hein, quand les cafards passent, hein, je prends ma Bible, hein, les cafards s'en vont. Oh frère, j'ai eu des cafards. Tu n'as eu des cafards. Eh bien, prends l'anti-cafard. Amen. C'est 100% vrai. Amen. Quand Dieu descend, ah, l'atmosphère. Et puis, il ajoute les maladies. Par sa pluie. Oui, sa puissance. Amen. Et bien sûr que c'est la vérité. Vous le chantez, non? Mais je l'ai fait que je prenne un petit morceau. Mais c'est la vérité. Parce que quand nous chantons là, par sa puissance, et Dieu soit béni pour Anna. Amen. C'est vrai quand même, non? Par sa puissance, il guérit. Vous comprenez, non? Bon, je n'ai pas la voix. Il mourut donc, Élisée. L'homme qui suivait la parole de Dieu. Peu importe ce qu'on pouvait dire à gauche et à droite, ce n'était pas son problème. Son problème, c'était la parole. Reste ici, jamais. Là où tu iras, moi j'irai. Parce que ça, c'est le chemin que Dieu m'a montré. C'est ma vie, je m'accroche. On avance, j'avance, tu avances, j'avance. Tu t'arrêtes, je m'arrête. Parce que je sais que là où tu te trouves, Dieu se trouve. Bien sûr que oui. Quand il mourut, on les prit. On l'a enseveli, effectivement, comme on a enseveli tout homme. Et oui, puis les années sont passées. Et puis, toujours en Israël, il y a eu un deuil, quelqu'un est mort. Complètement mort. Et puis bon, on a mis dans le linceul pour aller l'enterrer. Et puis, sur le chemin, là, pour enterrer donc la personne qui est complètement mort, parce que tout était complètement mort, parce que les jours sont passés, tout ça. Mais là, on va le mettre dans le trou. Et voilà que quand ils allaient pour pouvoir mettre les trous, je crois que ils ont vu l'embuscade des ennemis qui étaient là, les gens qui venaient tout ça, avec les armes pour pouvoir attaquer. Bon, la peur les a saisis, quelque chose comme ça, je pense. La peur les a saisis, et pour sauver leur vie, ils ont jeté le corps. Et le corps, au lieu de tomber dans le trou qu'ils devaient tomber, ils ont fui. Et le corps est passé de son trou là pour aller tomber dans le trou où se trouvait le corps de l'homme de Dieu. Amen.
Mort, bien sûr. Mais sur la terre. Un fils de Dieu, monsieur. La parole de Dieu en lui. Il avait la foi dans la parole. Mort dans la foi. Et avec la foi et la confiance dans le Seigneur. Quand le corps de cet homme, la mort, a touché le corps de cet homme de Dieu, la vie est revenue. La puissance, oui, messieurs. Eh oui, c'est cela, mon frère et ma soeur. Je prie pour que vous compreniez. Peut-être que ce sont ceux qui sont en connexion dans différents endroits. Vous savez, c'est quand même une grâce que Dieu peut donner à quelqu'un. Que vous vivez avec quelqu'un qui sert Dieu, que vous puissiez reconnaître qu'il sert vraiment Dieu. Et que vous croyez en cela, que vous le respectiez et que vous croyez la parole comme étant la parole de Dieu. Ça, si vous avez ça, glorifiez Dieu. C'est sûr et certain. Parce que la plupart du temps, on ne voit pas. Ce sont ceux qui sont loin qui peuvent voir et apprécier ce que Dieu fait. Et comme il dit, ils sont tous morts dans la foi. Et toi, tu vas mourir dans quoi? Posons-nous un peu la question. Si la mort te frappait aujourd'hui, tu mourras dans quelles conditions? Si déjà, toi, tu n'as même pas la foi pour croire ce que Dieu dit, pour obtenir aussi ta guérison. Vous savez, l'autre jour, je pensais à ma soeur Maria. Pardonne-moi, je ne sais pas pourquoi aujourd'hui tu es dans ma bouche, maman. Pendant la période où nous avions le corona qui frappait, là, mon frère, ma soeur m'appelle pour me dire, mon frère, notre soeur ici, ma femme, et ça ne va pas du tout, elle n'arrive pas à pouvoir bouger ni marcher. J'ai dit, pardon, j'ai dit, ma soeur Maria. Et comme vous savez, cette période-là, dit, le corona fait ça aussi comme ça, il produit ceci, il produit cela. Je vous dis, il est là avec le frère. Alors, quand j'ai entendu cela, c'était au moment où le corona était au sommet, là où nous étions dans nos affaires, dans nos maisons. Que ma soeur ici et mon frère, parce qu'on est ça que si ma soeur est malade, mon frère Rosario, il est malade. Mais j'ai vu comment mon frère Rosario aimait sa femme. Ah, c'est la vérité. C'est à ce moment-là que vous voyez les tenselles qui sont. Alors, quand j'ai entendu qu'il avait ces problèmes, je suis allé vite en pharmacie chercher les scaphandres. Pour me mettre, parce qu'il y a une protection quand même. Pour, parce qu'on dit quand quelqu'un, vous entendez que quelqu'un, il a, parce que c'est ce qu'on nous a dit, non? Vous entendez que quelqu'un a un problème qui serait suite à, au corona, ceci, cela, mais vous faites quoi? Humainement parlant, c'est que vous courez vite en pharmacie. Et puis comme c'est quand même ta soeur, tu vas dire, alléluia, attends, je prie pour toi. Là au téléphone, reste là, le Seigneur, il peut aussi agir là où tu es. Je n'ai ni couru en pharmacie, ni dit à mon frère, à ma soeur, non, elle s'est dit, non, amène la soeur à l'assemblée. C'est vrai ou pas? Ce serait là. La soeur et le frère a pris sa femme dans la voiture. Il n'était même pas à ce qu'enfendrait. Pour dire, bon, comme ma femme, elle est petite comme ça, on ne sait pas encore ce qu'on a, je me mets des qu'enfendre, tout ça. Non, j'ai vu mon frère venir avec sa femme qui le tient. Ma soeur Maria ne pouvait pas arriver à pouvoir marcher. J'en ai dit, mais elle ne peut pas marcher. Je regardais ma soeur, j'avais des larmes, je dis, mais c'est ma propre soeur. Je prie ma soeur, mon frère est là, je l'ai serré dans mes bras. Elle est là, ma soeur. Est-ce que je mens, soeur? Elle est là. J'ai serré ma soeur dans mes bras. Elle avait la foi. J'ai dit, ma soeur, tu es une fille de Dieu, tu marcheras. Il dit, frère, je marcherai. Je regardais, il dit, mais mon Dieu, elle a une telle foi. Oui, monsieur. La soeur Maria ne marchait pas, s'il vous plaît. Au sommet de Corona, et va le plus tard, oh monsieur, c'est Corona. J'ai dit, mon frère, ma soeur, Corona, pas Corona, il n'y a pas de problème, tu es guéri. Amen. Elle le croyait, frère. Je l'ai saisi dans mes bras. Je n'ai pas mis de sang fendre contagieux. Frère et soeur, nous avons Dieu. Ce n'est pas qu'on va faire, on dit comme ça pour dire. Non, nous sommes passés même dans le feu de l'action. Amen. On essaie, nous ne sommes pas des comédiens pour dire que oui, on prend. Non, on est passé par là. Amen.
Nous prêchons la parole de Dieu. On doit la vivre, frère. Je ne vais pas me barricader. Tu te rends compte, ma propre soeur. Il est malade, je dis, je me mets dans l'escaphandre. Soeur, attends, je mets des gants pour pouvoir prier pour toi. Avec des gants en plastique pour ma soeur à moi. Ah bah bah. Oh, je respecte tout ce qu'on dit. Pas de problème. Distanciation. Je ne sais pas comment dire. C'est l'expérience. Aujourd'hui, quand vous venez prendre, moi j'ai vu ma soeur. Je dis, quand je la vois marcher, j'ai dit, Dieu du ciel, amen. Tu as une fille qui a la foi. Amen. Mon frère pleurait, mais il avait foi. Amen. Il avait dit, le Seigneur agira. Il m'a dit, ma femme, je ne veux pas. Non, j'ai vu l'amour de mon frère Rosario pour sa femme. Frère, c'est lui qui s'occupait de sa femme. Il me dit, mais on m'a dit que c'est pour moi, pour moi. Il me dit, moi, je n'ai rien à faire, c'est ma femme. Amen. Je vais prendre soin, même s'il faut. Non, que Dieu te bénisse, mon frère Rosario. Amen. J'ai vu la foi en action, monsieur. Que Dieu vous bénisse. Lève-nous, nous allons prier. T'as voyé comment toutes les prophéties s'accomplissent sous nos yeux. Annonçons la venue du Seigneur. Au bientôt s'ouvriront les cieux. Combien de temps? C'est vous, mon frère, ma soeur, reste encore mes frères. Il est plus tard que vous ne le pensez. Oui, le Seigneur revient bientôt. Combien de temps? Mon frère, ma soeur, reste encore des frères. Il est plus tard que vous ne le pensez. Et le Seigneur revient bientôt. Et le Seigneur se voit. De toutes choses.